L'ange numéro 50, Daniel. Il régit du 28 novembre au 2 décembre. Il est l'ange de l'éloquence. Son énergie nous aide à développer un charisme naturel, une communication bienveillante, solide et affirmée, en nous permettant de garder un discours juste, tout en sachant dire la vérité sans blesser personne. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Éloquence, don oratoire. Grande faculté de communiquer et d'inspirer les autres. Leadership, aptitude à annoncer et à expliquer des décisions importantes. Structuration efficace, bien réfléchie et réalisée avec amabilité et gentillesse. Faculté d'exprimer les choses de façon belle et agréable, de parler avec art pour ne blesser personne. Discours qui atténue la rigueur d'une vérité. Bonté, beauté, harmonie. Aide à voir clair. Aide à voir les événements tels qu'ils sont et à prendre les décisions les plus appropriées. Permet de se détacher de la matière afin de percevoir la vérité dans son essence. Capacité de matérialiser les pensées à travers les actes. Discours, chant, musique et les arts en général. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Problème en rapport avec la communication. Éloquence orientée vers l'obtention de bénéfices personnels. Enjôleur, trompeur. Parle bien pour embobiner les crédules, les naïfs. Difficulté d'élocution. Dégénérescence du langage. Égoïsme et problème d'ego. Affaire louche, manigance. Vie de moyens illicites. Manipule pour s'assurer l'appui de personnes influentes. Discours, musique et art négatif.
se cachent derrière des masques ou emploient différents masques pour atteindre ses buts. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Bégayement. Bouche. Chant. Chanter. Communication. Élocution. Problème d'élocution. Gorge. Improvisation. Musique. Orateur. Rein. Voix. Douce pensée angélique.